Quand je crée une pièce, c'est comme si je faisais un film en 3D. Tout, c'est pas juste une pièce de danse. Faire une pièce de danse, ça m'intéresse pas presque. J'ai besoin de raconter des histoires. Ici, dans la Manche, j'ai un rapport particulier, mais c'est parce que sûrement j'y vais depuis que je suis petite et que je l'ai tout le temps vu et que petite, je parlais aussi, avant de partir des fois, je parlais à la mère. Quand j'avais besoin de verbaliser des trucs ou bah, je discutais, je lui parlais, j'allais lui dire au revoir, j'allais lui dire bonjour. Je fais des pièces de danse aujourd'hui et je m'occupe de tout, c'est-à-dire de l'histoire, de ce que je raconte, de la matière chorégraphique, de la scénographie, de la lumière et des costumes. Et on dit que le diable est dans le détail, mais pour moi, tout doit raconter et tout doit aider à ce que je vais raconter. J'ai pas choisi, je regarde des magazines comme ça, des photos. Je me dis, putain, mais ils dansent en fait, ces gens-là, tu vois, sur leurs planches, des positions, et je vois de la danse, je vois du je vois une chorégraphie, je vois des émotions, je vois plein d'histoires chargées dans une photo. C'est marrant parce que t'es autant inspirée par des postures de longboard, donc beaucoup plus classiques, et du surf dans des vagues creuses, en shortboard beaucoup plus engagé. Ah ouais, ouais. Celle-là, je l'aimais bien parce qu'il y avait un truc de meute, justement, tu vois, de surf à plusieurs. C'est un peu le Graal pour un photographe d'avoir sa photo en couverture de Surfers Journal. Bah, c'est laquelle? Celle-là, j'ai trouvé chambée. J'ai écrit le spectacle dans ma cuisine à 6h30. En me disant, ok, je veux un truc autour de la gestuelle du surf. Je veux reprendre cette gestuelle, mais la mettre en danse. Et ça se passera dans la mer. Et voilà. J'en savais pas trop plus. Mais je savais que je voulais faire un truc à partir de là. Parce que ça me fascinait, en fait. Tu vois, là, j'ai une photo d'un surfeur. Et il y a vraiment des positions que je trouve... Bah, en fait, c'est des positions naturelles d'équilibre du corps. De répartition du poids et en même temps t'as des surfeurs qui ont vraiment une identité de gestuelle, une façon de surfer. Tu vas voir la photo et tu dis ok, c'est lui, ça, tu vois, cette gestuelle là c'est lui. Moi, mon rapport à la danse, c'est ça aussi, tu vois, c'est viscéral, c'est vital. Si je crée pas, je pense que ça n'irait pas. Tu sens bien que c'est une nécessité aussi d'aller prendre des vagues, tu vois, pour certains surfeurs, c'est vital, quoi, c'est viscéral, ce besoin de retrouver ces sensations-là. Quand j'étais petite, les moments où j'ai dû arrêter la danse, en général, je faisais des conneries. Donc, si j'avais pas eu ce terrain-là, je pense que j'aurais fait des conneries. Quand j'avais des périodes compliquées de claustrophobie, ça m'est arrivé dans le métro, tu vois, quand j'étais bloquée ou en passant des IRM. Et ben, le seul truc qui me calmait, c'était d'imaginer la mer ici. Toute cette étendue vaste et immense, c'est vraiment ça qui me calmait.
mère-là, c'est presque une divinité. Il y a un truc rassurant et en même temps, tu te dis, bah, je peux rien faire, je m'adapte. Je me considère aussi un peu comme instrument. Je réponds à une vision que j'ai dans ma tête, mais en fait, je suis tributaire des émotions, des corps, du moment, de l'espace, et je peux pas aller contre tout ça. Mais imagine pas que t'es en train de danser dessus ou que t'es en train de prendre une vague dessus. Ok. Tu restes dans ton truc à toi. Ma façon de travailler, c'est d'essayer de comprendre les émotions des danseurs. Alors oui, j'ai une idée de base. Je vais surfer la vague, ok. Mais après, il faut que je comprenne les émotions des danseurs, dans quelle vibe ils sont à ce moment-là, quelle est leur corporalité, qu'est-ce qu'ils me racontent avec leur corps. Et je suis instrument parce qu'en fait, je les fais danser, je les emmène là, 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 mais j'essaye pas de les changer ou de les transformer. Là, t'es en tube backside. Oh oh, tu mets ta main dans la paroi de la vague, là. Ça te ralentit. T'as la lèvre qui passe par-dessus. Tchou, ça te brûle la cuisse arrière. Ça brûle. Et on se fait ressortir. T'as du... Moi, j'appelle ça du chi, mais dans les mains, tu ouais. vois. Elles sont pas mortes, tu vois. Les mains, c'est hyper important. C'est hyper important. Et pour moi, en danse, c'est genre méga important. Quand je te regarde, je me dis, bah, en fait, t'es danseuse. D'être à la mer, j'ai un échappatoire. Et je crois que c'est pour ça que j'ai besoin de vivre à la mer. J'ai toujours eu une vie parallèle entre la vie parisienne et la nature ici, à Coutainville, quoi. J'ai presque fait la moitié de mon temps ici et l'autre moitié à Paris, quoi. Mais tous les week-ends et toutes les vacances, on était à Coutainville. Donc de revenir habiter ici, c'était... ouais, ça faisait sens, c'était logique. Et puis j'ai toute ma famille ici, en fait. Mon père, ma mère, mes cousins, mes oncles, mes tantes. Et j'avais plus envie de vivre en fait. J'avais envie de revenir à un truc apaisant, calme.